Bonsoir tout le monde, c'est Jérémy Mercier, je suis ravi d'être avec vous en direct ce dimanche 31 mars à 20h en France. Et ce soir on est avec Flora Deauville. Salut Flora. Salut, Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. je précise. Alors non, je le dirai juste après parce que les gens commencent à arriver tranquillement. Donc Flora, tu es l'autrice de deux livres. Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie, qui est sorti en 2017. Oui. Et ça sera le sujet de notre live de ce soir. On va en parler un peu plus après. Enfin, en tout cas, une partie sera le sujet de notre live de ce soir, la partie couleur. Et tu as également sorti il y a quelques semaines, en fait, en janvier 2024, ce livre, Je m'aime comme je suis, petit manuel de survie intérieure à l'usage des personnes qui ne savent plus par quel bout prendre leur vie. Et donc, ce livre vient de sortir également aux éditions Marie-Claire. Donc, c'est deux livres, voilà, aux éditions Marie-Claire. On va se concentrer, comme j'ai dit à l'instant, sur Révélez-vous. Voilà. Donc, Flora, tu as créé une méthode de connaissance de soi qui s'appelle la méta. Oui. Est-ce que, alors, est-ce que tu peux nous rappeler, enfin nous dire, à ceux qui ne connaissent pas la méta, parce que je pense que c'est la majorité des personnes peut-être qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que c'est la méta et qu'est-ce que ça permet de faire, la méta? Ok, bon, alors peut-être qu'il va falloir que tu cadres un peu parce Ça fait une grosse question. on s'engage dans quelque chose d'assez long peut-être ou d'assez large. Mais Parce que en quelques mots, et après on va s'intéresser à la question des couleurs, qui est peut-être la porte d'entrée la plus, la première porte d'entrée dans l'univers de la méta. Et c'est ouais. ça qui sera le sujet spécifique. C'est en général par là qu'on commence et puis c'est par là que moi j'ai commencé déjà. Donc c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée. Alors, en quelques mots, comment on pourrait résumer la méta? C'est un outil ou un système de connaissance de soi. En fait, la méta est une méthode qui permet de, comment dire, petit à petit de lire l'apparence physique d'une personne et son énergie. Et ça permet en fait deux grandes choses. Il y a une première chose qui est que les informations qu'on va pouvoir retirer de cette lecture et de cette observation du corps de la personne et de son énergie nous permettent de glaner énormément d'informations sur les talents de cette personne, sur son essence profonde en fait. C'est-à-dire pas sur des compétences ou des capacités ou des aptitudes que la personne elle a pu acquérir tout au long de sa vie, c'est pas les choses qu'elle a apprises et les choses qui sont, on va dire, de l'ordre de l'acquis, Là, mais c'est linéaire. voilà, ça va nous permettre d'apprendre et de découvrir ou de redécouvrir en fait, de refaire le tri et d'accéder enfin à ce qui fait partie de notre essence, c'est-à-dire les grands fondamentaux, on va dire le package un peu magique avec lequel on est arrivé sur Terre, hein, nos talents, ce qui fait qu'on est aussi spécifique, aussi unique. Aussi singulier. Et donc voilà, ça c'est la première chose que la méta permet, c'est d'accéder à des informations qui sont qui parlent de notre essence. Et la deuxième chose, c'est que la méta nous permet également de connaître les couleurs, les matières et les formes de vêtements et d'accessoires qui nous vont. Et alors quand je dis qui nous vont, c'est extrêmement large, c'est-à-dire que c'est ce qui nous va physiquement, donc physiquement, quand on porte ces couleurs, ces matières, ces formes, en fait, ça nous va bien, ça se voit, on a bonne mine, on rayonne quelque chose vraiment de, voilà, ça marche bien. Mais si ça marche bien, en fait, c'est parce que le match, il est plus profond que ça. C'est-à-dire que si ça se voit à ce point, si on a autant bonne mine, si on rayonne autant, c'est parce qu'en fait, il y a un vrai match énergétique, il y a une vraie résonance énergétique avec ces couleurs, ces matières et ces formes. En fait, elles viennent soutenir qui on est. Elles viennent soutenir profondément cette essence dont je parlais juste avant. Et ben, du coup, quand on porte ces couleurs, ces matières et ces formes, en fait, le fait que ça se voit, que ça nous va bien. J'ai envie de dire, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le petit morceau en plus, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Mais en fait, c'est parce que ça nous va profondément bien, parce que on se sent vraiment nous-mêmes quand on porte ça, et ça vient soutenir des parties profondes de qui on est. Ça vient soutenir vraiment notre personnalité profonde, notre essence. Voilà. Donc la méta, en fait, c'est une méthode, un outil qui permet d'aller découvrir notre essence et en même temps de découvrir ce qui nous va vraiment énergétiquement au niveau du vêtement. Ok. Et donc, alors, ce qui est, moi, ce que je trouve fascinant avec cette méthode,
c'est que c'est une connaissance, une méthode de connaissance de soi qui ne passe pas par l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de méthodes de connaissance de soi qui, par exemple, vont vous faire remplir un questionnaire et ensuite déterminer quelle typologie vous êtes, par exemple. Et là, on va s'intéresser à la partie couleur et il y a un test de couleur. Donc, dans la méta, quand on fait un test de couleur, on va déterminer quelle saison on est. On appelle ça la saison, puisque chaque saison, donc printemps, été, automne, hiver, ça correspond à une certaine gamme de couleurs. Dans la nature, c'est comme ça. Hein, la lumière émise par le soleil à chaque saison n'est pas la même. Les couleurs d'un ciel d'été, ce n'est pas les mêmes couleurs qu'un ciel d'automne, d'hiver ou de printemps. Et effectivement, l'énergie de la nature à ce moment-là n'est pas la même non plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est... Alors, je vais tout de suite cracher le morceau. Moi, je suis été. Je suis été, donc c'est ma saison, entre guillemets. Et donc, étant été, j'ai à ma disposition ce magnifique... Est-ce qu'on voit ? Non, c'est un peu la lumière. Ah oui, attends, il faut que je baisse la lumière, si on veut le voir. Voilà. Les couleurs de l'été, je pense que ça se voit là, voilà. Ouais. Et donc, j'ai cet échantillon, donc à 120 couleurs. Donc, ce sont 120 couleurs que tu as déterminées et que tu as fait imprimer dans ces échantillons, dans ces palettes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, dans ces palettes, voilà. Et donc ça, tout ça, c'est des couleurs. Alors évidemment, c'est un monde infini, les couleurs. Donc il faut bien à un moment en choisir certaines qu'on va pouvoir trouver dans le commerce. Mais en mettant ces couleurs, effectivement, je vais non pas me camoufler ou non pas porter une, entre guillemets, œuvre d'art comme c'est le principe de la haute couture ou de la mode, disons, où en fait, l'être humain est utilisé comme un porte-manteau. On estime que c'est le vêtement qui est une œuvre et que l'humain est finalement un peu le cadre de cette œuvre, mais bon, c'est le support, quoi, disons. Et là, c'est l'inverse que tu fais. C'est-à-dire que dans la méta, tu estimes que l'être humain est une œuvre d'art et une œuvre d'art qui va être souvent dégradée d'ailleurs par des concepts de mode complètement fumeux basés sur des tendances qui sortent du cerveau de quelques allumés qui décident que cette année, c'est le violet à paillettes avec un damier, enfin des trucs complètement débiles, voilà, basés sur rien, voilà, bon, ou, voilà, ou une soirée de je ne sais quoi, qui va déboucher, une beuverie qui va déboucher sur ce genre de concept. Et toi, tu dis non, on revient à l'essence de la personne et on va faire des tests qui vont permettre de déterminer quels sont les couleurs qui vont à la personne et qui vont lui aller parfaitement et toute sa vie. Et ça ne va même pas dépendre de son bronzage, de est-ce qu'elle est malade ou pas, de son âge ou quoi. C'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, une fois qu'on a déterminé quelle est notre saison, puisque c'est le terme utilisé dans la méta, eh bien, on a cette saison toute notre vie. Donc, moi, je suis été, je suis né été, je mourrai été et je ne peux pas changer ça. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, c'est mon essence et c'est génial. Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que c'est ça parce que ça va me donner ensuite des informations sur la partie visible, on va dire, effectivement, parce que les couleurs, c'est quelque chose de visible. Hein, c'est dans longueur d'onde. Et voilà, la lumière, c'est des ondes. Et donc, les couleurs, c'est certaines fréquences, certaines longueurs d'onde. Et ça va se matérialiser donc par des types de couleurs. Donc ça, c'est la partie visible. Ce sont des couleurs qui vont m'aller, tout ça. Alors, après, on peut chipoter et dire que c'est une partie de la palette qui me va particulièrement parce que la méta, bon, voilà, ça va un peu au-delà de juste l'aspect saison. Mais bon, on ne va pas aller plus en détail. Mais en plus de ça, ça va me donner des caractéristiques sur ma psychologie profonde ou mes besoins, etc. Est-ce que tu peux décrire un peu justement quels sont les bénéfices qu'apporte la connaissance de sa saison et de ses couleurs, enfin, de ces couleurs, on a déjà dit, hein, c'est l'aspect, bon, on va mettre des choses qui vont nous aller, mais qu'est-ce que ça va nous amener en termes de connaissance de soi, puisque la méta est avant tout une méthode de connaissance de soi. Oui, je voulais juste rectifier une petite chose que tu as dit. Ah. Tu as dit que c'est moi qui avais déterminé les couleurs des palettes. Et effectivement, en fait, la palette que tu as montrée, en fait, c'est une palette que j'ai créée. Donc, c'est moi qui ai bien dû déterminer ces couleurs-là spécifiquement, mais c'est pas, en fait, c'est pas moi qui ai déterminé l'existence ou qui est découvert l'existence des quatre saisons et qui est non plus déterminé que dans la saison de l'été, c'était plutôt ce type de couleur, la saison de l'automne, etc. Ça, c'est en fait quelque chose qui existait déjà avant moi, que j'ai découvert. Et en fait, avec la personne qui m'a fait découvrir ça, on a ensemble comme créé la suite de ce qui existait déjà. En fait, on est allé plus loin, on a pris ce qui était déjà existant dans cette approche de l'humain qui est
de poser un regard en fait très naturel ou naturaliste sur comment fonctionne l'être humain, ce qui lui va, ce qui lui correspond, quel est son rayonnement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà en fait. C'est juste les voilà. J'ai effectivement créé ces nuanciers, mais je voulais bien faire la différence parce que les notions en fait de saison. Des différentes saisons, vous avez peut-être, les personnes qui nous regardent en fait ont déjà peut-être entendu parler de ça parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis arrivée et que j'ai inventé. C'est quelque chose qui existait déjà, mais on l'a poussé simplement avec la personne avec qui j'ai créé l'ancêtre de la méta au départ. Donc ça, c'est petit clin d'œil, la personne qui a amené ces notions-là en France dans les années 80, je pense, s'appelle Marianne Mercier. Aucun rapport de famille, mais bon, il se trouve qu'on a le même nom de famille, c'est assez rigolo. Petit clin d'œil. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que ça apporte de savoir qu'on est été, printemps, automne ou hiver? En fait, moi, ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, donc ça, c'est la palette de la nuancée de l'automne là, que tu montres. Voilà. Ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est la notion de reconnaissance. C'est-à-dire que quand en fait on fait le test, parce que comme tu l'as très bien dit, faire le test de son rayonnement, découvrir en fait notre rayonnement lumineux et découvrir les couleurs qui correspondent à notre rayonnement lumineux, donc la saison finalement qui est un peu notre saison sœur, qui fonctionne comme nous, c'est vraiment pas quelque chose qui se décide, c'est absolument pas quelque chose qui se choisit. C'est quelque chose qui se reconnaît. On va faire le test pour aller à la découverte, pour aller à la rencontre de notre essence et commencer à observer ou découvrir en fait la saison qui nous correspond. C'est faire un cheminement de reconnaissance de qui l'on est profondément. Et quand on commence à observer la nature et son fonctionnement à ce moment-là de l'année. Donc, si par exemple pour toi tu prends l'été et que tu observes la saison de l'été, qu'est-ce qui se passe au moment de l'été? Quelle est l'énergie dans la nature au moment de l'été? Qu'est-ce qu'on peut observer dans le fonctionnement des animaux, des végétaux? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lumière? Comment? Enfin voilà, quelle est l'énergie au moment de l'été? Ben, c'est pas du tout la même que celle du printemps, c'est pas du tout la même que celle de l'automne, c'est pas du tout la même que celle de l'hiver. Et donc, en ayant comme ça un regard très, très fin et poussé sur l'énergie de la saison qui nous correspond, en fait, en miroir, on va redécouvrir ou découvrir énormément de choses sur notre propre fonctionnement, sur ce que l'on est profondément et sur ce que l'on dégage, sur ce que l'on apporte, sur ce que l'on amène dans le monde. Et faire ce travail-là, d'aller découvrir comme ça notre saison, moi je peux parler de mon expérience parce que c'est ce qui s'est bon. Moi il se trouve que je suis également été comme Jérémy, et en fait quand j'ai découvert l'énergie de l'été, il s'est passé deux choses. Donc il y a d'abord la reconnaissance de ah mais oui, mais ça me parle tellement, mais oui, ça c'est tellement moi, mais ah d'accord, ok. Ça vient. En fait, c'est comme si on venait poser des mots très précis sur des élans, sur des besoins, sur des choses qui sont absolument essentielles pour soi, sur des façons de voir les choses, de voir le monde, sur des façons de se comporter avec les autres, etc. Donc, on vient poser des mots vraiment très précis qui permettent de reconnaître et de dire « Ah, mais oui, c'est vraiment moi, ça, je me reconnais complètement. » Et quand j'écoute le fonctionnement des autres rayonnements, je vois bien à quel point c'est différent et à quel point c'est... Bah, du coup, si on m'avait dit que j'étais automne, par exemple, je me serais dit, là, il y a un problème. Ou alors, j'ai été à côté de mes pompes toute ma vie, quoi. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est la reconnaissance. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est justement cette différenciation, en fait. Quand on commence à découvrir les autres rayonnements et le fonctionnement des autres, là, on se rend compte à quel point on fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on se rend compte d'à quel point les autres ne sont pas comme nous et à quel point ce qu'on prenait pour quelque chose d'universel et qui concerne absolument tous les humains, en fait, est potentiellement singulier et très, très spécifique à qui l'on est. Voilà, donc il y a des choses comme ça, des compétences, des facultés, des aptitudes, des talents, des choses où on se dit, c'est quoi l'intérêt de savoir faire ça ? Ouais, voilà, c'est quoi l'intérêt de savoir faire ça ? C'est quoi l'intérêt ? Voilà, moi, j'ai toujours été... très en retrait, donc là je parle vraiment de moi personnellement, j'ai toujours été même petite, très en retrait,
très, très observatrice, beaucoup dans l'analyse, c'est-à-dire que je regarde beaucoup avant de m'impliquer et puis je regarde énormément. En fait, je capte et je glane énormément d'informations simplement parce que je regarde. Je regarde, j'observe beaucoup autour de moi, j'écoute ce qui se dit, etc. J'ai jamais vu ça, en fait. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que je découvre l'ensemble de mon profil méta, parce qu'effectivement, on a une saison, mais après, il y a tout un autre... il y a d'autres aspects de notre profil méta qui sont à découvrir. Et jusqu'à ce que je découvre mon profil, en fait, je j'accordais aucun intérêt à ça. En fait, tout ce que je voyais là-dedans, c'est « Ah, ben, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus réactives que moi, beaucoup plus spontanées. » Je vois qu'il y a des personnes qui font plein de blagues, qui ont le contact très facile, qui vont vers les autres. Ça se fait vraiment hyper naturellement. Moi, c'est la galère. J'arrive pas à aller vers les autres. Alors, je me sens timide, je me sens empotée. Quand j'essaie de faire des efforts, en fait, c'est nul. Je suis à côté de la plaque. J'ai pas envie d'être dans des échanges. Je me suis forcée à aller vers les autres pour entamer une conversation. Enfin, bref. Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'être en retrait, jusqu'à ce que je comprenne, grâce à la découverte de mon profil, en fait, le fait d'être en retrait, c'est pas juste que je suis une empotée et une incapable sociale. En fait, j'ai des grands talents d'observation et d'analyse que je peux mettre à profit pour les autres. Et les autres sont, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec la méta. La méta, c'est ça, c'est-à-dire, c'est un outil d'observation et d'analyse que les gens apprécie énormément parce que cet outil vient leur amener des éléments et des informations sur eux que eux-mêmes n'arrivaient pas à aller chercher en eux-mêmes, en fait, parce que ça demande vraiment de la dextérité, de la précision, de la subtilité. Voilà, et donc c'est en découvrant mon profil petit à petit que je me suis rendu compte de talents que j'avais et que je considérais même pas comme des talents, je considérais ça comme des défauts, en fait. Je pensais que j'étais pleine de... Et le problème, il est là souvent, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des choses qu'on sait pas faire, qu'on est nul pour faire certaines choses, faudrait qu'on s'améliore, faudrait que... Et donc on considère tous qu'on a des défauts, mais de mon point de vue, les défauts n'existent pas. De mon point de vue, les défauts n'existent pas, il y a seulement des qualités, des compétences, des talents qu'on n'a pas encore reconnus, qu'on n'a pas encore vus. Et donc on se force à être des singes dans un monde de chèvres ou être des poissons dans un monde de chiens, enfin bref, on est complètement on se force à exister dans des environnements ou dans des situations qui ne nous conviennent pas, et on se juge de ne pas réussir de ne pas être parfait, en fait, dans ces environnements ou ces situations qui ne nous conviennent pas, alors que simplement on n'est pas au bon endroit. Et donc on est persuadé d'avoir plein de défauts, qu'il faut qu'on s'améliore, qu'il faut qu'on change des choses, etc., ce qui est complètement faux. Et la méta, en fait, permet d'avoir un regard sur ces éléments fondamentaux chez nous, sur notre fonctionnement, sur nos talents, sur nos compétences, sur nos aptitudes vraiment naturelles, c'est-à-dire avec lesquelles on est arrivé, et qui ne demandent qu'à fleurir, qui ne demandent qu'à émerger, qui ne demandent qu'à être vus, reconnus et utilisés, parce qu'en fait, c'est notre trésor, j'ai envie de dire. C'est notre trésor. Ok. Alors du coup, y a des gens déjà qui demandent comment on fait pour découvrir sa saison, etc. Alors, c'est un processus et tu vas faire un webinaire, donc un web atelier plutôt, jeudi prochain, donc ce sera le 4 avril, hein, c'est ça. Et oui. je vais mettre le lien pour vous inscrire, ce qui vous permettra donc de... je te propose que tu nous expliques ce que les gens vont découvrir dans le webinaire. Et oui, je vous mets le lien pour ceux qui ne le voient pas dans les commentaires parce que vous me suivez sur Twitter, par exemple. Voici le lien bit.ly/atelier couleur avec un A majuscule et un C majuscule et couleur au pluriel. Voilà. Et ça vous permettra donc de vous inscrire donc à ce web atelier gratuit qui aura lieu jeudi prochain, 4 avril, à 20h30, il me semble. C'est ça ? J'ai un doute. Je ne sais plus si c'est 20h30 ou 20h. J'ai un doute. Mais je vais vous dire ça tout de suite. C'est à 20h, pardon. Jeudi 4 avril à 20h. Et donc, voilà, vous pouvez vous inscrire donc, sur le lien que j'ai mis en commentaire et également que vous voyez donc, en bannière. Et dans ce webinaire, donc, qu'est-ce que tu vas expliquer ? On va parler des couleurs en détail, en fait. Donc, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un test physique à faire pour identifier son rayonnement, donc la saison qui correspond à notre rayonnement lumineux. Et donc, dans ce web atelier, l'idée, c'est je vais parler plus en détail de ce que c'est que ce rayonnement lumineux, des différentes saisons, etc. Et il y a plusieurs phases, en fait, dans cet atelier. Il y a une petite phase pratique pendant laquelle je vais expliquer quelles sont les étapes, en fait, pour pouvoir faire le test.
qui demandent des conditions vraiment spécifiques, des conditions de lumière, de couleur, etc. Donc, il y a certaines choses à savoir pour pouvoir faire le test correctement. Vous pouvez d'ailleurs déjà avoir un petit aperçu de ce qu'on va faire pendant l'atelier avec, en fait, si vous vous inscrivez au web atelier, vous allez voir sur la page de confirmation, une fois que vous vous serez inscrit, sur la page de confirmation, vous aurez la possibilité de télécharger un guide que j'ai créé et qui aborde déjà assez en profondeur la notion de rayonnement, les quatre saisons, les couleurs, le test, etc. Un guide qui est entièrement gratuit, il doit faire une soixantaine de pages, il est super beau, enfin, vraiment, je vous recommande de même vous inscrire à l'atelier. Et juste ne serait-ce que pour avoir le guide. Ouais, ne serait-ce que pour avoir le guide, parce qu'il est vraiment très très bien fait, donc voilà. Et l'avantage d'être en atelier, c'est que on va pouvoir parler, vous allez pouvoir me poser vos questions, en fait, ce qui n'est pas le cas avec un guide, il n'y a pas d'interactivité. Et donc, dans cet atelier, on va aborder tout ça, et puis on va faire aussi quelques petits, comment dire, des petites études de cas. C'est-à-dire, je vais commenter à l'écran différents tests, différents types de personnes, différents visages, différentes typologies, avec différentes couleurs sous le visage pour vous aiguiller un peu et pour commencer à éduquer vos yeux, parce que le test de couleur, ça demande une certaine éducation, parce que ça nous demande de nous regarder, nous, comme on ne s'est jamais regardé, ça demande à regarder ce que c'est qu'un visage, ce que c'est qu'un corps, ce que c'est qu'une personne, en fait, comme on n'a jamais appris à se regarder avant. On n'apprend jamais à se regarder. La seule chose qu'on apprend éventuellement un petit peu avec la mode, les magazines, les émissions télé, voilà, ou éventuellement les conseillères en magasin de vêtements, on va apprendre un petit peu à regarder, tiens, est-ce que la couleur, elle se voit, est-ce que ça fait un contraste, est-ce que, voilà, on a des vagues petites notions là-dessus qui ne sont en plus absolument pas ce qui doit être, ce qu'on doit trouver, ce qu'on doit chercher. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on va choisir une couleur pour essayer de savoir si ça nous va bien ou pas, les critères sur lesquels on se base sont faux. Donc, on va vraiment remettre tout ça à plat pendant l'atelier pour regarder c'est quoi les critères à chercher, qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'il faut éviter, c'est quoi les indications en fait qu'une couleur nous va, c'est quoi les indications qu'une couleur nous va pas. Et au-delà de tout ça, on va parler également de ce dont on a parlé un petit peu là, à savoir la dimension psychologique, c'est-à-dire si je suis printemps, si j'ai réussi à déterminer que j'étais printemps, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte comme information sur moi et sur qui je suis profondément? Et donc, on abordera les quatre saisons pour que je vous donne des éléments pour mieux comprendre la psychologie en fait de ces saisons. Et évidemment, vous pourrez me poser vos questions. Voilà, peut-être que si vous téléchargez le guide maintenant, d'ici jeudi, vous aurez peut-être le temps de faire quelques petits essayages, ou en tout cas d'être un peu plus attentif ou attentive aux couleurs que vous allez porter. Vous regardez dans le miroir, vous observez avec les indications qui sont déjà présentes dans le guide. Mais on pourra en parler, voilà, en détail, et vous pourrez me poser toutes vos questions pendant l'atelier. Et je réponds à Nadia qui demande si c'est un atelier payant. Non, c'est gratuit justement. Donc oui, c'est en direct ce jeudi 4 avril à 20h. Hein, j'ai vérifié l'heure. Et donc ça sera, tu vas prendre le temps d'expliquer le principe donc de ces couleurs et de comment on fait le test, dans quelles conditions. Et parce que ne serait-ce que avoir les bonnes conditions, déjà, il faut savoir quelles sont les bonnes conditions. Et après, il faut savoir comment s'observer. Et effectivement, on n'a pas l'habitude, on n'a pas appris à s'observer. Et rien que ça, c'est une découverte assez importante. Et pour aussi, il y a quelqu'un qui demande aussi, est-ce que tu as écrit des livres? Donc, je l'ai dit au début, elle a dû arriver en cours de route. Et donc, le livre que tu as écrit, qui est la référence en la matière, c'est « Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie » aux éditions Marie-Claire, sorti en 2017. Et voilà, disponible partout en librairie, Amazon, Fnac, enfin tout ce qu'on veut. Bref, ouais. Voilà. Donc, voilà. Juste, j'aime bien la transparence. Donc effectivement, en fait, l'atelier de jeudi, il est gratuit. Et à la fin de l'atelier, je vous parlerai d'un accompagnement en fait que je propose, qui est vraiment pour les personnes qui ça a plu, qui sont intéressées pour aller plus loin, qui ont envie d'être accompagnées pour découvrir la totalité de leur profil, etc. J'en parlerai à la fin de l'atelier. Voilà, donc comme ça, vous savez que, mais l'atelier, bon, je suis en général assez bavarde et assez généreuse quand je fais des webinaires, des ateliers en ligne.
Donc vous savez qu'on va, on va vraiment couvrir l'ensemble du sujet, des couleurs, des rayonnements, des saisons, etc. Et déjà avec ce qu'on va voir pendant l'atelier, les exemples, les études de cas, les questions que vous allez pouvoir me poser, plus le guide que vous pouvez télécharger dès maintenant en vous inscrivant, vous aurez déjà vraiment de quoi faire. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, vous aurez déjà reçu beaucoup de matière en fait pour commencer à changer de regard sur vous, mettre en pratique, essayer de faire le test, découvrir les couleurs qui vous vont, etc. Voilà. Ok. Après, j'ai une question, je ne sais pas comment tu réponds à ça, de Yerdoua qui dit « Si on vit en Côte d'Ivoire ou au Laos, nous n'avons pas exactement les mêmes saisons. » Et c'est vrai, ces saisons printemps, été, automne, hiver, c'est spécifique aux zones tempérées, donc aux latitudes moyennes. Mais oui, quand on est très proche de l'équateur ou quand on est au niveau des pôles, il peut y avoir que deux saisons et qui sont un été, un hiver ou une saison sèche, une saison humide. Et quelle est ta vision de ça? En fait, les saisons, les saisons, elles nous intéressent d'un point de vue symbolique. Elle nous intéresse pas du point de vue, c'est-à-dire c'est pas parce que j'habite en France et qu'on a vraiment les quatre saisons marquées que du coup le système fonctionne. Mais par contre, si on habite dans un endroit où il y a que deux saisons visibles ou perceptibles, du coup je peux pas, le système ne va pas marcher pour moi en fait. Ce système-là, il est universel, il fonctionne pour tous les êtres humains. C'est, de mon point de vue, en fait, enfin moi en tout cas, l'explication que j'ai ou la perception que j'ai, c'est que dans les endroits où on ne perçoit que deux saisons, il existe quatre saisons quand même. C'est-à-dire on perçoit deux saisons, mais parce qu'en fait, je pense que les deux saisons qu'on ne perçoit pas, elles sont tellement courtes et elles sont tellement, enfin, elles doivent durer peut-être une demi-journée, une journée, voilà. Mais au niveau astral, au niveau du soleil, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau de la planète, on a bien les quatre saisons. C'est simplement que Il y en a qui passent tellement rapidement qu'elles ne se perçoivent pas. Mais encore une fois, ça, c'est juste une explication un peu pour essayer de comprendre comment ça se passe. Cette lecture, elle est symbolique et elle est vraiment basée sur les différentes étapes et les différentes phases d'un cycle complet, un cycle de vie complet qui passe par ces quatre grandes étapes. Du printemps où tout explose et où tout part dans tous les sens pour engendrer la vie, de l'été qui nous parle beaucoup plus de croissance et d'épanouissement et de voilà quelque chose qui s'étale dans le temps, de l'automne où les choses arrive à maturité, et puis l'hiver c'est la saison du tri et la saison où vraiment on fait la part des choses, ça reste, ça dégage, et on prépare la suite, on prépare en fait un nouveau cycle derrière avec un nouveau printemps. Et en fait, ces phases-là, il se trouve que la nature nous les propose sous forme de saisons, mais c'est des phases qui pourraient exister sous un autre nom, on pourrait les retrouver en fait en observant autre chose ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas de... c'est pas un problème qu'elles ne soient pas visibles partout. Oui, il se trouve que cette classification, elle marche pour tous les humains, et qu'on peut rapprocher ça, effectivement, du cycle des saisons qu'on observe dans les zones tempérées. Mais en fait, on aurait pu trouver d'autres choses, mais je trouve que c'est la façon peut-être la plus parlante de comprendre cette première grille de lecture, puisqu'on a plusieurs, il y a les couleurs, donc c'est ça vient du rayonnement émis par la peau. C'est pas vraiment la couleur de la peau, c'est le rayonnement émis par la peau. Et ensuite, il y a les formes, ou les structures, disons, liées à la silhouette. Il y a également le mouvement lié à notre façon de nous déplacer dans le monde, disons. Tu diras les choses plus précisément dans ton webinaire, même si ce n'est pas l'objet spécifique de l'atelier de jeudi, mais les couleurs, c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée principale qui sera utilisée en tout cas jeudi prochain, et ça peut déboucher après sur ces autres niveaux que sont donc les mouvements et les structures. Je vois une autre question. Alors, Je vais répondre un petit peu et je te laisserai répondre la suite. De quelqu'un qui dit... il y a deux personnes qui disent ça. Deux secondes, je reviens dessus. Ah oui, voilà. Amaryllis qui dit « Je pense que pour moi, c'est l'été, ça me paraît évident. » Et Mo Bon qui dit « Vu mon choix de couleur, je pense être de l'été moi aussi. » Alors moi, j'ai envie de dire, c'est possible, mais attention, parce que parfois, on choisit des couleurs, non pas parce qu'elles nous vont, mais parce que... on les aime bien, parce que culturellement, ça nous parle, parce que ça évoque des choses pour nous, mais qui ne sont pas forcément nous. Et on peut se planter. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est fréquent quand même que des gens se plantent et choisissent des couleurs, non pas parce que ça leur va, mais parce que ça leur permet parfois aussi de se camoufler ou bien de se donner une image. Donc, c'est vraiment le test de couleur
qui va véritablement permettre de découvrir ce qui nous va réellement. Et après, on peut se rendre compte que ben, ça se trouve, depuis très longtemps, on se plante complètement. Ça arrive souvent même. Oui, oui, ça arrive. Mais tout est possible. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis. Il y a des personnes qui sont extrêmement attirées par certaines couleurs. Et effectivement, quand on fait le test, ben, oui, en fait, la personne était vraiment très, très proche d'elle-même, en tout cas à ce niveau-là. Elle était, les choix de couleurs étaient très ajustés. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont choisir des couleurs qui ne leur conviennent pas du tout et qui ont fait ça pendant des années en étant persuadées en fait, d'aller vers qui ils sont. Donc, tout existe et pour toutes les raisons que tu as évoquées. Les raisons pour lesquelles on va ne pas choisir les bonnes couleurs pour soi, elles sont, mais enfin, il y en a des milliers, quoi. Ça peut être parce qu'on a été habitué à autre chose, ça peut être parce qu'on est en résistance contre quelque chose, ça peut être pour afficher un mécontentement ou un désaccord avec un style, avec un groupe, avec une idéologie, avec une culture, enfin bref, ça peut être, il y a tellement de, il y a, en fait nos choix vestimentaires, le vêtement, il a tellement été utilisé pour dire énormément de choses culturellement, enfin c'est une mine de d'informations, les vêtements. Et donc comme ce vêtement est une mine d'informations, en tout cas qui peut être utilisée pour raconter beaucoup beaucoup de choses. Enfin, il y a dans des tas de cultures, le fait d'avoir trois petits traits sur l'épaule, ça veut dire je sais pas quoi. Si t'as un truc sur le front de telle couleur, ça veut dire que tu viens de telle ethnie. D'une autre couleur un peu plus haut, c'est une autre ethnie. Ou bien ça veut dire que tu es veuf ou que, enfin, je veux dire, notre apparence physique en fait peut, si on le souhaite, en tout cas dans beaucoup de cultures, c'est utilisé pour raconter et pour donner énormément d'informations à l'extérieur. Et donc de ce fait, nos choix vestimentaires, ils sont absolument pas anodins. Nos choix vestimentaires, il faut arrêter de croire que tout le monde est libre et choisit les fringues qu'il veut. En fait, c'est absolument pas vrai. Quand on regarde d'un peu plus près ce qui fait que les gens choisissent telle ou telle couleur, tel ou tel style, tel ou tel type de vêtements, vous allez voir que les gens sont pas du tout libres. Les gens qui vous disent ça, vous leur dites ah bah ok, bah si t'es complètement libre et que même tes vêtements, ton apparence, t'en as rien à foutre et à la rigueur tu pourrais porter n'importe quoi, ça changerait rien pour toi, très bien. Demain tu vas mettre un bas de jogging rose chewing-gum, un haut violet avec des étoiles vertes partout et des lunettes en forme de cœur jaune, voilà, comme t'en as rien à faire, ça devrait pas te poser de problème. Il n'y a pas grand monde qui va accepter le défi, le challenge, et qui va aller faire ça à l'extérieur. Donc, en fait, nos vêtements, c'est très fort, en fait, ce que ça raconte et ce que ça veut dire. Donc, nos choix de vêtements, de couleurs, de matières et de formes, ils sont vraiment... Anodin. Comment ? C'est pas du tout anodin, finalement. Ah non, absolument pas anodin. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Même quand on croit que ça l'est et qu'on dit qu'on s'en fout. Même quand on croit que ça l'est, et même quand on croit que ce qu'on choisit en fait nous convient et parle de, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais moi je fais très attention à ce que je choisis, je sais très bien que c'est pas anodin, voilà. Mais les personnes en fait peuvent quand même choisir des choses en pensant que ça leur correspond et que ça leur ressemble parce que c'est des bijoux qui racontent telle chose, ou parce que c'est des vêtements éthiques, parce que c'est des vêtements bio, parce que c'est des couleurs qui racontent quelque chose au niveau de son engagement pour, je sais pas, pour la nature, pour certaines branches politiques, peu importe. Il y a toujours quelque chose. En fait, c'est très intéressant de commencer à investiguer là-dedans et d'aller retrouver, non pas, en fait, finalement, le pourquoi on a porté certaines choses, c'est intéressant, ça éclaire, mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est de retrouver ce qui nous va vraiment au-delà de tout ça. Au-delà des étiquettes politiques, au-delà des étiquettes religieuses, au-delà des étiquettes culturelles, au-delà de tout ça, c'est quoi qui nous va ? De quoi notre corps et notre énergie ont besoin ? C'est quoi vraiment qui nous porte et qui nous correspond profondément, au-delà de toutes ces étiquettes, voilà. Et c'est un chemin qui peut prendre un certain temps, voilà, ça, après ça va dépendre des personnes, de là où elles en sont, enfin, chaque chemin est unique, mais c'est un chemin qui est vraiment très très intéressant. Moi par exemple, quand j'ai découvert mes couleurs la première fois, j'ai cru que je m'en sortirais jamais, que j'allais jamais pouvoir les porter, parce que quand j'ai vu les couleurs de l'été, enfin, je ne sais pas si tu peux les remontrer à nouveau là, ouais, dans l'éventail, mais quand j'ai vu ces couleurs-là, il y avait surtout, voilà, il y avait surtout des bleus, des roses, il y avait un peu moins de mauve et de gris, là, comme il y a, voilà, il y avait des verts, etc. Quand j'ai vu ces couleurs-là sur la table, je me suis dit, mais en fait, c'est des couleurs de Barbie, et je m'en sortirais jamais. Moi, à l'époque, je portais du noir, du bleu marine, du gris, du kaki, du marron. Voilà, des choses très très sombres qui ne m'allaient pas du tout d'ailleurs. Je me cachais beaucoup. Et quand j'ai découvert ces couleurs, il m'a fallu un certain temps avant de me dire
oui, j'ai envie d'aller vers ces couleurs et j'ai envie de les porter. Pourtant, je pouvais vraiment voir qu'elle me donnait bonne mine et qu'elle m'allait bien. Mais voilà, ça, c'est se dévoiler, se montrer tel que l'on est et arrêter de se cacher derrière des couleurs sombres, lourdes, etc. Et ben, ça demande un certain engagement en fait envers soi-même. Donc ça peut prendre du temps. Moi qui n'y connaissais rien et d'ailleurs qui n'y connais toujours rien à la mode, je remarque quand même que plein de gens encore aujourd'hui mettent du noir en pensant que c'est une couleur neutre, etc. C'est pas du tout le cas. Et il y a très peu de gens qui peuvent mettre le noir comme couleur. Et en fait, oui. Le noir n'est que dans la palette hiver. Donc, oui. Si vous n'êtes pas hiver, si vous mettez du noir, ça ne vous va pas. Que vous le vouliez ou non. Hein. Ce n'est pas une histoire de volonté. Hein. vous êtes content, pas content, peu importe, on s'en fout. Les lois de, entre guillemets, de l'univers que tu as participé à déterminer montrent que ben, si tu n'es pas hiver, ça ne te va pas. Et un point, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Pas de bol. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, il y a une histoire vraiment de retour à la réalité. C'est-à-dire que la méta, c'est un outil qui aide, qui facilite le retour à la réalité et à l'accès à la réalité, donc à la vérité. C'est-à-dire à revenir au constat de comment sont les choses, d'arrêter de se raconter des histoires ou d'essayer un peu d'arranger la réalité pour que ça nous convienne ou que ça... Ben non, en fait, il y a des couleurs qui ne me vont pas. Et ben, alors, je peux les porter parce qu'il n'y a pas de police oui. de la fin. Il n'y a personne qui va venir vérifier dans mon placard ce que j'ai. Enfin, voilà, je perds ce que je veux. Mais c'est très intéressant d'avoir ce regard-là sans concession à un moment donné parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous nettoyer. C'est-à-dire, si à un moment donné... Je suis confrontée à me rendre compte, je suis confrontée au fait que certaines couleurs ne me vont pas. Si ça me crée de la gêne, si ça me crée de l'angoisse, si ça me crée des peurs, de mais je ne pourrais plus rien mettre, ou de la tristesse, ah, j'aimais tellement cette couleur, mais ça ne me va pas, etc. Et ben, c'est parfait, en fait. Je vais pouvoir me nettoyer et me libérer de toutes ces vieilles choses, de ces émotions, de ces attachements, de ces choses auxquelles je suis accrochée, pour me sentir plus légère derrière et pour enfin aller vers ce qui me correspond et vers ce qui me va. Donc la méta est un outil en ça que je trouve vraiment très très intéressant parce qu'elle offre un regard sans concession sur la réalité de qui je suis. Alors le truc qui est génial, c'est que ce que l'on est toujours plus beau que ce que l'on croyait être. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur des fois de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais découvrir ? Je vais découvrir que je suis un monstre, que je suis nul, qu'il n'y a aucune couleur qui me va. » Non, ça n'existe pas, ça. En fait, on est tous extrêmement beaux et on a passé des années à se planquer derrière des choses qui ne nous conviennent pas en pensant que c'était bien pour nous. Puis finalement, quand on accepte de lever le voile là-dessus et de se regarder tel que l'on est, ben on se rend compte de à quel point on est beau, mais on voulait correspondre à autre chose. Donc forcément, ça ne marchait pas. Mm-hmm. Ok, bon. En tout cas, alors j'ai vu peut-être une... Ah oui. Alors bon, je réponds rapidement à Muriel qui demande s'il y a plusieurs noirs. Bah non, il n'y a qu'un noir. Après, ça peut être des gris, des teintes de gris foncé ou d'autres couleurs très très foncées, mais le noir, c'est un noir, comme il n'y a qu'un blanc d'ailleurs. Hein. En fait, ouais, c'est ça. Dans l'absolu, le noir pur, il y en a. Enfin, on pourrait dire qu'il y en a qu'un. Mais c'est vrai que dans le commerce, on pourrait presque dire qu'il y a plusieurs noirs, parce que si vous achetez des vêtements noirs dans le commerce, dans différents magasins, différents vêtements, etc., et que vous les mettez tous les uns à côté des autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petites nuances différentes. C'est-à-dire que vous avez un noir qui va être un tout petit peu plus gris, l'autre un tout petit peu plus brun, un tout petit peu plus bleu. Mais en fait, c'est tellement minime. Utile que Ok. Après, je voulais dire aussi un mot, c'est que si jamais vous... alors, oui, je vais dire deux choses. Ce que tu fais, ça n'est pas du relooking et ça n'est pas du conseil en image. Attention, hein, c'est très différent, ça va beaucoup plus loin. Tu as fait un tri énorme dans déjà, ne serait-ce que le choix des couleurs, d'une part, mais d'autre part, en termes de compréhension de ce que ça veut dire. Faire cette correspondance entre quelles couleurs me vont et ce que ça dit de moi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un outil, pour moi, de connaissance de soi qui est extraordinaire, extrêmement poussé, extrêmement précis. Et le cumul des trois niveaux couleur, matière, forme, c'est une carte d'identité incroyablement précise. Je sais que tu as accompagné des gens qui ont dit qu'avec ces tests, ils ont découvert plus de choses sur eux en quelques heures qu'en 20 ans de développement personnel. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas mal. Enfin, et
c'est pas des cas isolés, hein. C'est beaucoup de gens qui ont vécu des transformations radicales. Donc, ça n'est pas du tout du conseil en image qui va vous apprendre à porter le noir quand vous sortez. C'est pas du tout ça. C'est pas ça. Là, c'est n'importe quoi. C'est bidon. C'est hyper superficiel. C'est des gens qui n'y connaissent rien et qui vous balancent des idées sur la tendance, mais qui n'ont aucun rapport avec qui vous êtes, ce qui vous va. Ils vous prennent pour le cadre qui est censé porter les fameuses œuvres d'art et qui va passer partout en soirée, je ne sais pas quoi. Enfin, là, c'est vraiment du bidon à 100%. Là, on n'est pas là-dedans. Là, c'est quelque chose de très, très profond et qui peut même changer votre vie. Réellement, réellement. En fait, il y a plein de branches déconnantes dans le relooking et le conseil en image. C'est-à-dire il peut y avoir une approche effectivement pour essayer de reconnaître les couleurs qui nous vont. Mais l'instant d'après, on va dire ok. Donc maintenant, on a vu que les couleurs qui vous vont, bah, par exemple, c'est l'été pour toi, Jérémy. Donc tu es été, très bien. Donc dans l'été, il y a pas de noir. Ok. Donc maintenant, du coup, comment tu vas faire pour porter du noir? Donc on va t'enseigner. On va te donner des techniques pour comment porter le noir. Je dis, mais oui, mais le noir ne me va pas. Oui, mais quand même, il faut pouvoir en porter. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif caché en fait dans le relooking et le conseil en image qui est quand même de rentrer dans le moule, qui est quand même de pouvoir toujours correspondre à des situations, continuer à vivre d'une façon qui est complètement à côté de la plaque, de continuer à rentrer dans les codes. Donc voilà, si vous devez passer un entretien d'embauche, bon, ben, il faut quand même porter du noir, il faut savoir porter du noir, donc on va t'apprendre à porter du noir. Sauf que donc il y a un espèce de décalage et une contradiction totale là-dedans. Sans parler du fait que les nuanciers de couleurs, il y a des erreurs partout, j'ai jamais rencontré une seule école ou un seul... J'ai jamais rien vu en fait qui soit cohérent de A à Z où toutes les couleurs étaient justes. T'es la seule à avoir fait des nuanciers de couleurs au monde, hein. C'est bien au monde, hein, parce que les nuanciers de couleurs c'est pas que en France, enfin c'est connu, enfin il y a des gens analyse couleur. Ils appellent ça de la colorimétrie. Colorimétrie, voilà. Ce qui n'a pas de sens parce qu'on ne mesure pas, il n'y a pas de mesure. Déjà, ça déconne, enfin, ça ne va pas du tout. Mais en plus de ça, ils font plein d'erreurs dans la détermination des couleurs. C'est-à-dire qu'ils vous balancent des nuanciers qui sont faux. Alors, ils vont avoir quelques couleurs justes, au moins par hasard, ils vont réussir quand même à avoir quelques-unes de justes. Mais il y en a plein qui déconnent complètement, donc on s'est à côté de la plaque. Là, pour le coup, tu as fait ce travail extrêmement précis de choisir des nuances de couleurs qui sont parfaitement dans la saison en question. Donc ça, c'est déjà unique. Et en plus de ça, effectivement, il y a cette correspondance psychologique profonde qui va bien au-delà de la simple approche j'apprends à mettre tel vêtement pour telle occasion, enfin qui est complètement à la plaque en plus. Bref. C'est ça. Par rapport au même dans le conseil en image ou le relooking, les personnes arrivent en général avec des complexes, avec des parties d'elles-mêmes qu'elles aiment pas trop. Et en fait, le conseil en image et le relooking va aller à fond dans le sens de ça pour dire, OK, bah, je vais vous apprendre à camoufler vos épaules ou avoir l'impression de minimiser un peu la taille de votre bassin. Si vous avez l'impression d'avoir des hanches un peu larges, ben, on va voir comment faire. Ou si vous vous trouvez trop petite, on va trouver des astuces pour visuellement vous donner l'impression d'être étiré. Mais tout ça, ça va, pour moi, c'est complètement à côté de la plaque et c'est puant, j'ai envie de dire, parce que la négation de l'identité de la personne. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message de fond de ça? Ben, le message de fond, c'est ben oui, t'es trop petite. Ben oui, tes hanches, elles sont trop larges. Ben oui, tes épaules, elles sont trop larges. Ben oui, en fait, ce que tu es, ça ne va pas. Et donc, si tu veux pouvoir vivre en société, si tu veux pouvoir te montrer, si tu veux pouvoir décrocher un job ou je sais pas quoi, eh ben, il va falloir tricher, en fait. Il va falloir trouver des astuces pour... Moi, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que le corps d'une personne ne va pas. Alors, effectivement, on peut avoir un problème de santé. Il ne s'agit pas de dire que les problèmes n'existent pas, en fait. On peut être dans un mal-être à un moment donné et avoir besoin de faire des changements ou des transformations de sa façon de vivre, de son alimentation, de sa façon de prendre soin de soi, etc. Je ne parle pas du tout de ça. Mais on a une structure, en fait, de fond, une structure fondamentale physique. Et je ne suis absolument pas d'accord pour dire que ça, il faut le changer. La méta est là pour mettre en lumière et pour montrer ce qu'il y a de plus beau et de plus intéressant, de plus riche, de plus unique, de plus singulier chez chacun. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et le relooking et le conseil en image, en fait, font un espèce de bricolage assez moisi de ces choses-là, avec un peu l'outil couleur, mais
comme je disais tout à l'heure, on va t'apprendre quelles sont les couleurs qui te vont pour après t'expliquer comment porter celles qui ne te vont pas. Je ne vois pas l'intérêt. Et en plus de ça, après, il y a tout ce truc de oui, tu as des complexes, et ben, on va renforcer tes complexes et on va appuyer dessus et on va te montrer comment, comment les cacher. Ben, non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok. Alors, j'ai juste modifié la bannière parce qu'il y a des gens qui demandaient ah, combien ça coûte l'atelier. Non, c'est gratuit. Hein. Donc, c'est jeudi 4 avril à 20h. Voilà, c'est sur ce lien que je vais remettre dans les commentaires. Et je voulais aussi préciser autre chose. Si jamais vous entendez parler d'une méthode qui ressemble fortement à ça, c'est même certainement qu'elle est dérivée de ça. Voilà. Hein, parce que c'est toi qui as co-créé cette méthode dans les années, donc en 2000, combien 2008, 2007, quelque chose comme ça. 2007. Et après, tu as formé des personnes dont certaines ne le reconnaissent pas ou ne le disent pas, peuvent même usurper. C'est flou, quoi. Voilà, elles vont mettre du flou, mais en fait, elles ont bien reçu la méthode de ta part et ne vont pas le reconnaître. Donc, attention à ça, hein. Il y a de ça qui se passe actuellement. Donc, voilà, donc je voulais aussi faire ce point-là. Je ne vais pas citer de nom, mais je vous laisse avec vos conclusions. Voilà, je réponds en même temps à quelques dernières questions. Marie-Christine qui dit, est-ce que les couleurs évoluent avec l'âge ? J'ai dit un peu ça au tout début, ça ne bouge pas. Ça, c'est votre identité. Marie-Christine, tu évolues toute ta vie, mais tu es Marie-Christine toute ta vie. Et là, c'est de la même manière, ton profil méta, donc couleur, matière, forme, ça sera la même chose toute ta vie. Et dès la naissance, on peut même déterminer en fait le profil méta d'un bébé, et ça sera le même jusqu'à sa mort. Tu n'as pas parlé de notre lien de parenté à tous les deux, mais donc. Oui, je veux dire aussi. Nous sommes mariés et femmes, Flora est mon épouse, voilà. Et j'ai fait partie du premier cobaye qui a testé toutes les couleurs, toutes les matières, tous les machins dans les années 2000, il y a une quinzaine d'années. Et donc, j'ai fait partie des gens. Voilà. Ce que j'avais envie de dire, c'est que donc nous avons deux filles, et quand j'étais enceinte de chacune de mes filles, en fait, une maman a un lien vraiment extrêmement particulier énergétiquement aux enfants qu'elle porte, en fait, je connaissais leur profil avant qu'elles naissent. Donc, c'était très amusant parce que j'ai senti qu'elles allaient être leur profil, et donc quand elles sont nées, ben, j'avais acheté des petits vêtements dans les bonnes couleurs, en essayant de trouver des matières à peu près correctes, etc. Et on a pu tester sur elles, en fait. En plus, elles n'ont pas le même, elles ont pas le même rayonnement, elles n'ont pas la même saison. Ouais. Donc, je leur ai pas acheté les mêmes vêtements, je leur ai pas mis les mêmes vêtements, et c'était intéressant de constater à quel point déjà bébé, en fait, on pouvait voir ce rayonnement et voir à quel point certaines couleurs fonctionnaient et d'autres pas du tout. Et tu as pu le vérifier ensuite par la suite en faisant les tests quand elles étaient un peu plus grandes. Et voilà, donc ça a été ressenti pendant la grossesse et validé après la naissance. Donc elles sont nées et dès la naissance, elles ont eu les vêtements qui leur correspondaient. On avait déjà une bonne idée de quel type de caractère et de psychologie on allait avoir à faire. Enfin bref, c'était un truc assez incroyable. Et voilà, donc nos filles ont 10 et 14 ans aujourd'hui. Et bon, ben voilà, on sait bien à qui on a affaire depuis le début, depuis la grossesse. Voilà, en tout cas, donc le web atelier, donc je vais vous remettre le lien dans les commentaires pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. Alors attendez juste un instant. Donc c'est le lien donc, qui apparaît. Donc voilà, donc c'est bit.ly/atelier couleur, A majuscule, C majuscule et couleur avec un S. Et donc Flora va pouvoir vous expliquer tout ce monde fascinant des couleurs et de ce que ça veut dire, de comment on fait le test aussi de couleurs. Jeudi soir en direct à 20h, et dès que les gens s'inscrivent en cliquant sur ce lien, vous aurez également accès au guide d'à peu près 60 pages dans lequel tu expliques aussi ton approche. Voilà. Ok, merci beaucoup Flora, je passe un dernier mot avant. Ah oui, si, il y avait une question, on va répondre à cette question puis après je te propose que ce soit la conclusion. Mila qui demande si c'est un lien avec la couleur de l'aura. Alors, je ne pense pas. Donc moi, je suis pas du tout une experte en. Je peux pas du tout dire en fait que je vois par exemple l'aura des gens. C'est pas quelque chose que je peux percevoir en fait des choses de un peu dans quelle énergie se trouve la personne. Mais enfin, j'ai aucune expertise ou compétence dans le fait de pouvoir voir l'aura des gens. Par contre, il me semble. Je m'y connais pas suffisamment, mais t'avais une cliente qui avait fait une expérience et qui sentait ce qui se passait avec l'aura quand tu mettais certaines couleurs. Il y avait une histoire comme ça incroyable. Alors oui, en fait c'était plutôt le champ énergétique qu'on, oui, c'est qu'on, ça.
auxquelles on faisait attention. Donc, en fait, effectivement, en fonction des différentes couleurs qu'on peut porter sur soi, on avait vraiment senti que le champ énergétique de la personne était impacté et qu'il était vraiment réduit quand la couleur n'allait pas du tout et augmenté quand la couleur convenait. Donc ça, c'était... Ben, on a fait plein d'expériences, des expériences un peu à l'aveugle aussi, qui étaient intéressantes. Mais ce n'est pas, c'est pas les couleurs de l'aura, le rayonnement, c'est autre chose. Parce que les couleurs de l'aura, pour moi, il y a une partie qui, effectivement, doit correspondre à nos couleurs de base, en fait, de la couleur de notre aura naturellement, qui doit donner des indications peut-être sur notre personne, je pense. Et puis après, il y a une partie du champ de l'aura qui, à mon avis, doit changer en fonction de nos conditions, en fonction de la situation dans laquelle on est, de l'état émotionnel, notamment dans lequel on se trouve. Donc, je pense que l'aura, en fait, doit bouger, doit changer, ce qui n'est vraiment pas le cas du rayonnement. Le rayonnement, c'est vraiment un rayonnement lumineux. Alors, c'est très subtil parce qu'effectivement, je ne suis pas un spot, là, vous ne me voyez pas comme une lampe en train d'éclairer. Donc, c'est très, très subtil. Mais c'est quelque chose, par contre, qui est vraiment stable, qui est extrêmement stable et qui fait partie de mon essence et de cette incarnation-là pour toute cette vie. Voilà, je pourrais pas en dire plus en fait sur l'aura. Bah, écoute, c'est bon. Je te propose qu'on conclue là-dessus et je rappelle donc que tu es l'autrice de ce livre Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie aux éditions Marie-Claire et donc que l'atelier en direct ce jeudi 4 avril à 20h. Si vous voulez vous inscrire, il faut cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire et si vous n'avez pas le lien en commentaire, vous l'avez en description et sinon il est affiché dans la bannière bit.ly/atelier couleur, A majuscule, C majuscule et couleur avec un S. Voilà, et ben merci beaucoup Flora, et puis bonne découverte de ce monde fascinant des couleurs et de la méta avec Flora jeudi prochain. Bonne fin de soirée et à bientôt. À jeudi. Bye bye.